Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma carrière sur FIFA 17, mon mode manager avec Dortmund. Donc vous l'avez vu à l'épisode précédent, on a baissé d'un cran la difficulté, le temps de se refaire un petit peu au gameplay. Après je pense que ce changement de formation, à mon avis, va m'être bénéfique. Je pense que ça, je vais réussir à faire quelque chose là. Je le sens bien. Alors milieu gauche, là on va mettre Chourleau en attendant. À la place de Dembélé, on va y mettre Correa. Hein, Correa il est suspendu non? Il est blessé. Donc Correa il peut pas jouer. Je vais laisser Dembélé pour le moment. À la place de Marco Reus, on va y mettre là. À la place de Götze, en milieu centre, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Mérigno, ça me gêne. Allez, c'est plus un milieu défensif, Rode, donc j'ai pas le choix. Allez, je vais laisser pour l'instant Götze. On va faire jouer Weigl. Et puis le reste c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme ça. Je vais juste faire ça. Pour ce match, on va faire souffler complètement Marco Reus. Et je ferai rentrer Merino à la place de Götze. Allez, lançons. Donc oui, vous l'avez vu sur l'épisode précédent, j'ai baissé d'un cran la difficulté. Voilà, faut vraiment que j'arrive à reprendre ce gameplay en main là de FIFA. Hein, avant de pouvoir vous proposer quelque chose de, quand même de relativement intéressant. Bien loupé ce centre. Ah bien. Bonjour à tous, désolé si je fais un peu de bruit avec mes cuillères, je vais essayer de pas en faire. Hein. C'est le problème du thé, c'est qu'il faut le remuer de temps en temps quand même. Allez. Cologne, notre adversaire. On va essayer déjà de jouer un petit peu plus. Voilà. Collectif. Ah non, dommage, la passe n'est pas réussie. On avait même complètement raté. Bon ballon, là. Très bon ballon. Pour Zoller. Ah, bien joué. Ce ballon qui traîne. Mario Götze. Dembélé. Oh non, la passe elle est loupée. L'idée était bonne de revenir plein axe, mais malheureusement, ça n'a pas été du tout réussi. Allez, encore. Là, il faut une bonne tête là. Ouf, ouais, c'était une bonne tête, mais pas de ma part. C'est une très bonne tête de l'attaquant de Cologne. Pour l'instant, nous, on n'a pas frappé au but encore. Hein. Mon ballon. Ouais, je me suis fait reprendre. Peut-être un petit quelque chose parce que je suis pas sûr qu'ils prennent réellement que le ballon. J'aurais bien sifflé un petit quelque chose là, mais bon. L'arbitre lui a décidé de pas le siffler, donc c'est pas très grave. Ouais, bien. Oh, j'ai voulu me retourner, j'aurais peut-être dû aller à la frappe instantanément là. Peut-être là un petit peu mon petit péché mignon là. On peut pas, ouais, il peut maintenant, mais avant il pouvait pas faire la passe. C'est bien joué. Ah, c'est bien défendu. Socratis là, impeccable. Attention, il a du champ devant lui. Allez, tranquille. Ouais, parfait. Voilà, on soutient. On revient plein axe. Voilà, nickel. Ah, impec, allez. Oh, la grosse frappe là peut-être. Ouh, dommage. C'était très bien vu le geste technique là de Paulo Dybala pour revenir plein axe. C'était impeccable. Ah, il y avait moyen. Après, la frappe n'a pas été suffisamment puissante. Mais c'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen là de faire quelque chose. Bien joué. Attention, pas de faute là. Surtout pas de faute. Wow. Ouais, du coup je veux tellement pas faire de faute que je défends pas quoi. Ça va.
Tire-le. Très bon ballon là. Ouais, ça c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Pécale. Qu'est-ce qu'on tente là? Ouais, c'est chaud là. Ouais, c'est bien donné ça. Ouais, j'ai voulu tenter là. Le Ronaldo Shop, il est pas passé. La bonne défense de Dortmund. Elle est impeccable. Va. Non, il ira pas. Ah, dommage. Même là, vous voyez, hein, j'ai baissé le niveau de difficulté. Même contre Cologne, j'ai du mal. Alors après, Cologne n'est pas très dangereux, effectivement. Mais moi, j'ai du mal à avoir des occasions. Ah oui, oh, il est beau celui-là. Il est beau, non. Le but n'est pas très beau. Il y a juste une... Il y a juste une belle action et derrière ça finit avec un but. Il n'y a pas un très joli but. Je sais pas pourquoi il met Patator, j'ai pas frappé très fort. Juste mis un petit plat du pied, tranquille. Allez, bon, au moins on a ouvert le score. Ça a décrispé un peu mes joueurs. Toutefois ils étaient tendus, même si c'est vrai que comme je l'ai dit, Cologne n'a pas eu pour l'instant d'occasion. On sait jamais. Allez, tranquille, hop, voilà. Impeccable. Oula, par contre, j'ai tenté la passe. Il aurait dû la faire plus vite que ça, là, Dybala. La passe en retrait. Il y avait un décalage qui s'était créé. Je me suis l'arbitre. Impeccable. Risseux. Alors, certains m'ont demandé, en termes de recrutement, si j'avais déjà des idées. Je vous avoue, pour l'instant, j'en ai pas. Je sais qu'il va me falloir, voilà, il me faut un milieu offensif parce que j'ai pas assez de milieu offensif, voilà, un milieu centre ou un MOC, j'en ai pas assez dans mon équipe, donc il va m'en falloir un. Donc voilà, ça va être là que ça va être compliqué à trouver. Attaquant, j'ai ce qu'il faut, peut-être un latéral. Il frappe. Un latéral gauche, je pense que ça serait pas mal, mais bon. Ça sera quand même à voir. Après, je me dis que la manière dont je joue, j'ai peut-être pas besoin de garder Pierre-Emerick Aubameyang. Donc pourquoi pas le vendre, le petit Aubame. Ouf, là, j'avais tenté la feinte. Hein. La feinte de frappe, si elle passe, là, c'est beau. Bon, ça continue. Oh, c'était bien joué, c'était bien construit, bien amené plein axe là. Là effectivement Müller, le gardien de Cologne, peut être content. Il a fait un très très bel arrêt. Allez, recorner. On va changer un peu de tactique. On va appeler un deuxième joueur. Oh non, j'aurais pas dû me retourner de ce côté là. Il m'attendait. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et pourquoi pas, dommage, bien couvert. Très bien couvert, c'était bien vu cette petite passe en profondeur là. Mais là, après, le défenseur de Cologne a très très bien couvert son gardien, il ne l'a pas laissé tout seul. C'est ouais, très très bien joué. Allez, mi-temps. Petit score. Alors, on voit une belle occasion pour Cologne. Petit score, 1-0. Il faut quand même score qui a le mérite d'être là. On voit Götze hein, qui est fatigué, c'était à prévoir. Donc tout de suite, on va faire rentrer Mérinho. On va attendre un petit peu pour les changements suivants. J'aimerais bien faire rentrer Payet. C'est dommage, je trouve que Payet, il n'a pas suffisamment d'endurance. C'est compliqué de le faire jouer 2 ou 3 matchs d'affilée. Alors après, c'est possible aussi que ce soit mon système de jeu hein, qui les fatigue un peu. La manière dont je leur demande, le rôle, les instructions qu'ils ont. Et ce ballon qui est perdu. Bagel. Mais oh bien. Oh non, c'était pas. Je sais pas pourquoi Dybala y est allé alors que le ballon était pour Dembélé quand même là. Marco Hecker. Oh dommage. La passe pas assurée. Allez, bien joué. Ouais, c'est bien taclé. Impeccable. Récupérer ce ballon maintenant. Ça part bien. Allez, bien, ça c'est bon ça.
Ah là pareil, tenter le Ronaldo Shop, il doit passer celui-là. Il doit passer. Je pensais qu'il était fait quand même au bon moment. Et bon centre là. Dommage. Petite tête en retrait. Oh la frappe de Weigel. C'était bien tenté aussi. Ça pouvait donner quelque chose. C'est jamais à cette distance. Quand je regarde des fois les tops dans FIFA, je vois des mecs qui mettent des frappes à 25 mètres. Ça me vient même pas à l'esprit de les essayer quoi. Est-ce ce ballon qui traîne? Allez, va, dommage. Ah, il s'est arrêté. C'est arrêté, chour-le. J'aurais préféré qu'il soit hors jeu, mais qu'on puisse tenter quand même cette occasion. Ouais, bon ballon. J'ai tenté. Ah, la déviation. Ah, le bon centre, deuxième poteau, mais il n'y a personne. Il n'y a pas cru Dembélé. Il n'y a pas cru du tout. Ouais, très bien. Super ballon encore. Oh oui, la bonne option. Ouais, oui. Oh, la belle frappe là. Oh, c'était bien joué le changement de jeu là-haut. Côté opposé. Avec le bon contrôle derrière, la bonne passe en retrait. J'ai tenté de la prolonger, ce qui était plutôt bien vu et plutôt malin. Risseau, il a failli marquer. Peut-être bien falloir que j'en mette un. J'essaye d'en mettre un de plus quand même. Bon, j'essaye, hein. C'est pas que je veux pas marquer, c'est que j'arrive pas. Mais est-ce que je fais rentrer Aubameyang? Après, ça va être la question. Ouais, peut-être une situation intéressante, là. Allez, pourquoi pas là? Oh là là là, Dybala encore. Et Müller, le gardien de Cologne, qui fait un très 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 gros match. J'ai du monde fatigué quand même là. Dybala, il est en forme, c'est pas la peine. Kagawa, on va faire sortir, on va faire rentrer. Tant pis, je vais faire rentrer Rodeux. Et je vais laisser Dembélé. Et je vais faire sortir Chourle. On va faire comme ça. Compliqué, hein, c'est très compliqué là. Et là, c'est bien joué. Oh, la tête était bien vue. Attention. Bien joué là. Ah, dommage. Ah, malheureusement, ne sachant pas faire. Là, vous voyez, par exemple, dans PES, je fais le sombrero. Je le tente. La manière dont le ballon arrive, je tente le sombrero. Et je pense que ça passe. Que là, c'est vrai que je ne sais pas le faire dans FIFA. Si c'est, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est faisable de le faire. Comme dans PES. Si c'est faisable et vous savez le faire, n'hésitez pas. Hein. Je suis preneur. Ah, super ballon. Ouh, dommage. Ouais, bien. Parfait. C'est dommage, hein. Vraiment, il y a toujours un petit pied qui traîne, là, un pied d'un joueur de Cologne. Allez, là, c'est mieux joué. Oh non. Contrôle est pas bon de Merino. Payet la volée, Payet qui vient taper la barre. Oh, à cette distance, c'est magnifique. On va le revoir, le contrôle est bon. Et la frappe est bien équilibrée. Il n'y a rien qui peut rien faire. Même si elle est dedans, je pense qu'il y a ficelle. Voilà, bien joué. Voilà, allez. Mais vas-y, Merino. N'hésite pas. Ah ouais. Bah, une faute, mais Merino, je trouve qu'il bouge pas assez, il propose pas assez. Non.
Excusez-moi, monsieur, dame. Voilà, jouer courte. Voilà. Et ça peut se comprendre parce que là. Ouais, la frappe. Ouais, dommage. Dybala, là. Tenter le contrôle. J'aurais peut-être dû tenter la frappe instantanée, mais c'était compliqué quand même. Bon, bien joué. Heureusement qu'il vient couvrir l'axe. Sinon, je pars au but. Ouais, impec. Oh non, la passe dans le dos de Dybala. S'il la met devant. Ouah, s'il la met devant, l'appel de Dybala est parfait. Il doit la mettre devant. Ouh, dommage. Encore. Et Dybala qui frappe, ça frappe, hein. J'essaye au moins. On peut pas me le reprocher. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. La bonne passe dans l'espace. Ouf. Allez, il faut centrer. Non. Ah, je vais pas pouvoir. Ah, bon, ça va. J'assure. Limite, hein. C'est limite pour assurer, mais je l'assure au bon moment, dira-t-on. Quand même, j'étais pas forcément très bien. Julian Vega. Allez, 2-0. L'arbitre qui vient de siffler la fin de ce match et les joueurs du Borussia qui décrochent la victoire. Ouais, contre Cologne, ouais, c'est logique. Surtout vu l'équipe. Voilà, que j'ai mis en place avec ce Borussia de Dortmund, je pense que c'est plutôt logique. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Le Bayern, 4-0. Pareil, logique. Hambourg, ouais. Hop. Alors par contre, honnêtement, j'ai même pas envie de le jouer, ce... J'ai envie juste de le simuler, ce match de... De coupe. Allez, je prends le risque. Je prends le risque de simuler le match de coupe contre le Hertha Berlin. C'est un gros risque, hein. Bon, après, j'ai quand même une belle équipe, donc ça devrait quand même le faire. Défaite. Défaite 1-0. Eh ouais. Ah, je vais me faire taper sur les doigts par le conseil d'administration. À mon avis. J'ai eu un petit peu de sous, 527 000. C'est pas grave, pour moi le plus important c'est la Ligue des Champions et le championnat déjà. On verra par la suite pour le reste. Hein. Allez, on va jouer, ça va être Hanovre. Ah non, c'est Hoffenheim, pardon. Il peut rien faire de mieux. Donc par contre, moi ce que je veux qu'on me trouve, transfert, réseau de recrutement. Annuler, instruction. Non, ici, c'est pas un buteur que je veux. Modifier instruction. Poste. Ah, je veux un milieu axial. Dribbleur, digne de l'équipe. Rapidement, mais meneur de jeu. On peut tenter ça déjà. Voilà. Buteur. On s'en fout. Parce que je pense qu'en termes de buteur, j'ai ce qu'il faut. Poste, je veux un ailier droit. Merde, je suis con. Ailier. Là, il me faut quelqu'un digne de l'équipe, de rapide. Prometteur aussi, ça peut être pas mal. Voilà. Déjà, qui m'envoie ce genre de choses-là. Et alors après, voyons voir. Réseau de recrutement, ok. Et qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé? Ce que je veux voir, moi, c'est ce qu'ils m'ont trouvé déjà. Qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé en termes de gardien? Parce que mon gardien est pas mal, mais je pense que y a moyen d'avoir mieux quand même. Areola, Costil.
Et je peux pas avoir son rapport à lui là. 83, c'est pas mal hein. 23 ans, ça va progresser. Informe-toi, bonhomme. Ziller de rien. Non. Par contre, c'est le gardien de Milan. Il faut que je me mette le gardien de Milan, la Bonaventura ou Bonarma, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, mais il faut que je le mette à Ligue. Alors, Italie. Calcio B. Milan, ils me le lâcheront. C'est Donnarumma, je crois. Ah, c'est Bonaventura. Non, c'est pas ça. Il est où le gardien? Ouais, c'est Donnarumma, lui. Ajouter. S'informer. Voilà. C'est ce que je veux. Parce que je sais que c'est un bon gardien. Donc il y a moyen quand même d'avoir un bon gardien jeune et de le faire progresser par la suite. Tac, bon, on va aller au match suivant. Blanc, gestion d'équipe paillée, puis c'est pas beaucoup reposé quand même. Götze, on va y mettre Kagawa à la place de Dembélé. Bah, toujours parvenu, hein. Correa, toujours pas, hein. Toujours pas moyen. Ça va être très compliqué. Je vais y mettre Schürrle pour le moment. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Aubameyang, on va le laisser ici. Je vais y mettre Bender et Guerrero, on va le laisser là et on va faire souffler. Non, on va laisser comme ça. Tac. Allez, on se retrouve pour le coup d'envoi. Allez, c'est parti pour cet avant-match Hoffenheim contre le Borussia de Dortmund. Et bien écoutez, il nous faut une victoire. De toute façon, il n'y a pas à chercher. Ah, très bien. Allez, hop. Allez, vous découvrez donc les joueurs qui vont composer cette formation d'Offenheim aujourd'hui. Ah, dommage. On va pu y aller Aubameyang un petit peu plus au ballon là. Offenheim, ça va être quand même, je pense, un bon adversaire. Hein. Ouais, très bien. Ou dommage. Ou dommage que le ballon là de Pierre-Emerick Aubameyang n'arrive pas un peu plus. Sinon, il y avait vraiment moyen de mettre, je pense, un premier but tout de suite. Voilà, allez. Impeccable. Le long de la ligne de touche. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Oui. Oh, il est beau celui-là, il est bien construit, il est très 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 bien construit encore. Le but en lui-même, rien d'exceptionnel, encore une fois, c'est une petite frappe au sol dans les 5m50, mais regardez, la qualité de jeu, c'est bien amené. Là, tac, je décale. Et c'est dommage parce que je demande à Aubameyang de frapper direct. J'aurais préféré qu'il la frappe direct, ça aurait été moins risqué. Bon, déjà, tout de suite, on ouvre le score, ça fait plaisir. Bah, je pense que c'est là la diff. Il faut que je prenne vraiment mon temps, que je construise ces occasions. Et c'est, je pense que c'est ce que je faisais pas trop en champion. Ça sort en 6 mètres, hein, pour le gardien. Allez, c'est bien. Wow. Allez, sur le côté. Voilà, très bien. Sébastien Rodé. Après Schürrle. Ah, bien joué ça encore. Attention, ça peut être dangereux. Oh, bien joué. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Oh, elle est belle celle-là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle cette frappe. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. C'est qui, c'est Schürrle? Pourtant, j'y ai demandé, il a pas fait, hein. J'y ai demandé de faire le Ronaldo Shop. C'est dommage qu'il le fasse pas. Comme c'est bien joué. Là. Je voulais qu'il fasse le Ronaldo Shop. Il fait la fin de frappe. Et après, j'enroule lucarne opposée. Rien à dire. Bon, là, Hoffenheim, ils vont souffrir, je pense. Jusqu'à la fin du match, je pense que ça va être long pour eux. Tranquille. Ouais, impec. Et ben, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, nickel.
Cette équipe aujourd'hui, elle va essayer de confirmer devant son coup. Chourleux qui garde bien le ballon là. Quand même encore un peu tôt pour imaginer cette. Ouais, bien joué ça Aubameyang. Ouh, le centre était bon. Le centre était plutôt bien pensé encore. Et Marco Reus. Ouais, corner très bien tiré. Oh, dommage. Il était bien tendu, bien fort. Il y avait ce qu'il fallait. Aucun danger, si ce n'est pour l'aviation civile. La volée derrière était, on va dire, un petit peu trop forte, je pense. Et c'est compliqué, de toute façon, une volée comme ça, là. Allez, c'est bien. Continue. Pour l'instant, 2-0, honnêtement, pas grand-chose à dire. Dans le jeu, on est plutôt efficace. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, très bien. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ouais, impec. Ils font tourner en attendant une brèche. Oh, grosse faute. Très grosse faute là sur Dimitri Payet. Ah ouais, c'est normal. Le carton est tout à fait mérité, bonhomme. Là, tu peux rien dire. Hein. Moi, je vais revenir à l'ancienne caméra. Ce qu'on va faire, c'est ça. Oh, dommage. J'ai voulu tenter d'éliminer pour aller au centre. Ça n'a pas fonctionné. Ouf. Allez, attention, hein. Ouais, la tête, elle est pour moi, ça va. Ouais, nickel. Oh là, c'est qui, c'est Payet qui a perdu le ballon là. Oh putain, j'aurais pu, hein. Et j'aurais dû la récupérer. Ouah. Dommage. Encore une fois, il y avait moyen de faire mieux que ça. Attention à ne pas faire d'erreur là. Un bon ballon d'attaque. Oh, bien joué. Ouais, défenseur qui est passé. Quoi ? Elle m'a bien éliminé. Très très bien éliminé. Facilement. Ouais, après, je me suis jeté un peu bêtement. C'est un peu dommage. Ouais, bien. Très bien défendu de la tête là. Je vais même pas envoyer un joueur au ballon. Ça sert à rien. Attention sur le côté. Eh oui. Attention, il y a un peu d'espace. Bien joué. Oh, il m'a bien éliminé encore. Hein. Ouais, bien vu ce centre. Attention, il peut relancer le match. Ouais, parfait. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Très bien joué. Ouah, wow, dommage. A été pour Aubameyang, mais par contre, je pense qu'il a mis la passe. Je veux la mettre pour Aubameyang, vraiment dans sa direction. Je pense que le joueur la met pas du tout au bon endroit. Il la met plus entre les deux joueurs de Dortmund que vraiment sur Aubameyang. Allez, touche. Faut continuer. C'est pas évident. Allez, attention. Ouais. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur lui à terre. Ouh, dommage. Oh, la volée d'Aubameyang encore. Ah, c'est tenté, hein. Il tente beaucoup de choses là, Aubameyang. C'est bien, c'est intéressant. Bon, il a marqué. Aussi. Oh, la grosse faute là. Ouais, par contre, oui. Et bon centre là, par contre, vers Dimitri Payet. Corner. Et corner bien tiré par Payet là. Oh là 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 là, c'est trop croisé. Dommage. La tête était bien partie, mais un peu trop croisée. Et attention. Tac. Tac. Oh, dommage. J'ai voulu redoubler le 1-2. Et ça aurait pu peut-être un petit peu perturber la défense. Après, c'est pas très grave. Ça fait quand même 2-0 à la mi-temps. Je suis quand même relativement serein. Allez, allez. C'est bien. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ouais, bien joué. Peck. Ouais, nickel. Ouah, ça, c'est bien joué là pour Payet. Oh, dommage. Oh, dommage que là, par contre, je pense que c'est Chourleux, je crois. C'est ou Chourleux ou Götze qui arrive pas à enchaîner. Il a vu l'appel de balle. Ah, un bec. Oui, ça circule bien, construit tranquillement. Magnifique. Oui, le centre.
Oh la belle volée. Oh la belle volée. Pourtant j'ai pas appuyé longtemps. Hein. Sur la frappe justement pour pas mettre trop fort. Alors celle-là elle est partie, un vrai missile. Hein. Oh ça aurait été beau, hein. Honnêtement ça aurait été vraiment magnifique. Là le centre était beau. Alors, si je mets cette volée. Très bien. Impec. Voilà, on change. Non, dommage. Ah, dommage. Il y a moyen quand même de faire mieux que ça en termes de passe. Une équipe qui joue le haut du terrain. Très bien joué encore. Hein. C'est vrai qu'elle fait de bons résultats. Son placement est mérité. Un pec. Sébastien Rodeux, il s'avance vers la surface. Et bien joué, Payet. Et Obame. Oh, dommage, Obame Yang, là, il peut pas mettre sa tête. Il manque pas grand chose encore. Je vais tenter de la mettre fort pour Obame Yang. Oh! Ça sera une sortie de but. Ah, ça aurait mérité mieux. Bah, mais Yang là qui a pas. Qui a pas voulu aller au ballon, c'est bizarre. Kakawa. Ouais, très bien. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Il écarte le jeu pour Payet. Nickel. Ils construisent, ils font tourner. Quoi? Ah oui, d'accord, j'ai activé le. Je m'y attendais pas du tout là. Activer ça, je voulais faire un peu la feinte, partir. Peut-être une situation intéressante là. Non, tranquille. Il y a faute. J'ai peut-être fait trop rapidement en fait. Voilà. Très bien. Un pec. Eh non, je sais pas pourquoi il le fait pas. Faire la fin de le râteau d'un côté et tout de suite tac la reprendre de l'autre. Et je sais pas pourquoi il le fait pas. Et mon corner de Payet. La tête d'Aubameyang, oh dommage. Ouais, c'est bizarre qu'il le fasse pas ça. Normalement, faut laisser appuyer. Donc faut laisser enclencher la direction avec le joystick droit du côté où on veut faire croire qu'on va. Et au moment où le joueur fait le râteau, tac, on doit partir de l'autre côté. Alors je le fais peut-être trop vite. Je sais pas. Oula. Il tac, bien loupé. Oh, bien joué. Non, ça ne passe pas. Parfait, allez. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Oh, bien joué, Aubameyang. Ah, Payet là. Ouais, ça va être mieux que ça. Ah, par contre, là, j'ai pas du. Ouais, je vais pas avoir fait de changement, tiens. Sur ce match-là, je vais le faire tout de suite. D'ailleurs, il faut que je me dépêche un peu parce que j'ai la batterie qui va rendre l'âme. On va faire ça. On va faire rentrer ici. Comme ça. Et ce que je vais faire. C'est que je vais faire ça. Ça et ça. Non. Ouf, comme ça, oui, c'est pas mal. Ou comme ça. Allez, comme ça. Allez. Vite qu'on puisse finir cette. Ce match sans avoir à changer de batterie, ouais, ça serait pas mal. Ça peut très bien faire un but. Ouais, très bien. L'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. Bon, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur le terrain. Magnifique. L'entraîneur demande l'attaque. Et Payet. Va-t-il parvenir à centrer? Voilà. C'est à peu près ça, mais en plus rapide normalement. Ouais, c'est pas personne. Le geste technique, on peut. Il y a vraiment un geste plus rapide que ça qu'on peut faire normalement. Je pense que Payet doit être capable de le faire. Allez, très bien. Ah, dommage. Dommage. Allez, faut y aller. Arkejno, je suis même pas obligé de dire faut y aller maintenant, je suis pas obligé, je pourrais presque les laisser sortir. Les joueurs de Fenheim, là, pour l'instant, puis alors, ils ont du mal vraiment à sortir. Mario Götze qui a du soutien. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Et grosse frappe là. Fallait la tenter. C'était osé, mais fallait la tenter. Allez. Ouais, bien joué. Ouh, dommage. J'ai pas pu faire le petit crochet au bon moment là. Chourleux, je pense qu'il est un peu cuit. Et ce ballon est intercepté. Tranquille, voilà. Impec.
Très nickel. Un bon ballon d'attaque. Oh, bien joué. Et je vais récupérer. Voilà, très bien. Ouais, ça c'est bien joué. Ah, pas une petite faute là ? Ouais, c'est trop son partenaire, c'est bien joué. Magnifique. Elle est belle celle-là ? Oh, elle est pas cadrée. Oh, c'est dommage. Ça méritait encore d'aller dedans. Oh, on mérite facilement de mener 3, ouais, peut-être 4-0. Mais après, malheureusement, je suis pas assez réaliste. On s'approche de la zone de vérité. Il y a 3 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, le centre, ça va, tranquille. C'est contré. Parfait. Dimitri Payet. Ouais, nickel. Eh bien, écoutez, voilà, impeccable. Victoire 2 buts à 0. Donc, une belle série. Victoire à 2-0 tout à l'heure, 2 buts à 0 tout de suite, donc c'est très très bien. Mais écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.